Et on se retrouve donc dans votre bureau, Robert Bourgi, dans les beaux quartiers de la capitale, un bureau dans lequel, j'imagine, sont passés un certain nombre de chefs d'État africains. On va parler d'Omar Bongo, que vous appelez papa, on va parler de son fils, Ali Bongo, puis on va parler de vous aussi, parce qu'il y a des choses à dire. Absolument. Vous avez notamment défrayé la chronique en offrant des costumes très chers à François Fillon. Ça lui a coûté assez cher, on verra si on a le temps d'en parler. Mais d'abord, l'Afrique. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est à la fois parfois exotique, quand Ali Bongo s'offre un grand orchestre à Londres, et puis parfois tout à fait dramatique quand il y a des morts après sa réélection à Libreville. Qu'est-ce que vous retenez ? Je voudrais tout d'abord féliciter les auteurs de ce reportage. Il dépeint très bien la situation du Gabon au lendemain de l'élection volée d'Ali Bongo Ondimba, mais surtout il dépeint bien le personnage Ali Bongo Ondimba. Alors ça veut dire que vous confirmez cette immense fortune, plus de 400 millions d'euros, ça veut dire que vous nous confirmez ces immeubles, ces propriétés achetées en France, et puis le caractère douteux et violent de sa dernière réélection ? Quand vous dites 450 millions d'euros, je crois qu'on est loin du compte. C'est beaucoup plus ? Je pense que ça devrait tourner autour de 2-3 milliards d'euros. La fortune personnelle d'Ali Bongo ? La fortune amassée par le clan Bongo. Il est évident que Ali Bongo Ondimba s'est considérablement enrichi pendant les 7 années de son premier mandat. Énormément. Mais Robert Bourgi, là, vous dénoncez des choses graves. Hein. La fortune qu'avait le père, la fortune qu'a le fils. Mais pendant des années, vous étiez très proche du père. Vous l'appeliez Absolument. Papa. Ça ne vous dérangeait pas à l'époque qu'Omar Bongo détourne autant d'argent de son pays pour se les mettre dans la poche ? Monsieur Poincaré. Les temps ont changé. Lorsqu'en septembre 2011, j'ai provoqué, rappelez-vous le titre du Monde, un séisme dans notre pays, j'ai dénoncé des pratiques qui ne doivent plus exister aujourd'hui. En septembre 2011, pour que les gens comprennent bien. Septembre 2011, j'avais dénoncé dans le JDD. Vous avez raconté que pendant des années, vous-même avez ramené des mallettes de billets. Entre autres, que vous le donniez, entre autres, aux partis gaullistes, que vous avez vu Jacques Chirac et Dominique de Villepin compter physiquement les billets que vous aviez ramenés. Tout ça, vous l'avez révélé en 2011. J'ai dénoncé ces pratiques. Et ce que j'ai constaté à l'époque, c'est qu'on m'avait menacé de diffamation. Je n'ai vu aucune diffamation, si ce n'est celle de Jean-Marie Le Pen. Robert Bourgi, je crois qu'il faut expliquer ce que c'était que la France-Afrique à cette époque, vous dites, il y a 10, 20, 30 ans. En gros, la France protégée des potentats, des dictateurs Absolument. Africains. En échange, ces dictateurs donnaient de l'argent qui servait essentiellement à financer les partis politiques français. À l'époque, il n'y avait pas de financement des partis politiques. Et c'est les mallettes que vous et d'autres rameniez qui finançaient la démocratie française en partie. Monsieur Poincaré, je l'ai dit au magistrat à ma demande. Je n'ai jamais transporté de mallettes. Dans ce bureau, vous l'avez dit au début de votre propos, il s'en est passé des choses. Les émissaires, ministres, directeurs de cabinet, fils ou filles de chefs d'État, arrivaient. 2 jours auparavant, j'avais pris les rendez-vous avec telle ou telle personnalité politique de tous bords. Et je les accompagnais. Ils versaient leur obol. On s'échangeait les mallettes. Voilà. Dans ce bureau. Mais moi, je n'ai jamais transporté de mallettes. OK, mais ça se passait dans ce bureau quand même. Vous avez écrit récemment vos mémoires, je crois. Ils sont terminés. Sauf que vous ne les publiez pas. Non. Pourquoi ? Parce que je vais vous dire pourquoi. C'est de la nitroglycérine ? C'est explosif ? Je crois que la nitroglycérine, c'est une boule puante à côté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit pétard. Si ces mémoires devaient paraître aujourd'hui, comme m'a dit dernièrement un homme politique de premier plan dans notre pays qui avait lu quelques passages, je lui ai dit, tiens, tu n'as qu'à lire. Le lendemain, il m'a appelé à la première heure du jour. Il m'a dit, il faut que je te voie. Je suis allé le voir, il me dit, Robert, je t'en supplie. Si ces mémoires paraissent, tout un pan de la classe politique française va à la retraite immédiatement. Alors, ça fait 400 pages, si je suis bien informé. C'est dans un coffre-fort quelque part, là, non ? Ça a disparu. Il y a un exemplaire chez Robert Laffont, il y a un exemplaire chez Valdiguier,
Il y en a un chez moi. Laurent Valdiguier du Journal du Dimanche qui a coécrit avec voilà. vous. Donc il y a trois exemplaires. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas trop m'embêter. Hein. Non, sinon, pas du tout. Sinon, j'ai sous non, la main une bombe atomique. Mais je dois vous dire quand même que le titre des mémoires a été choisi. Ils savent que je sais tout. C'est le titre de... Voilà. On entend bien, on entend là, bien le message. Je suis là et j'observe. J'observe, vous savez, je m'amuse. Un dernier mot, Robert Bourgi, parce que vous avez défrayé la chronique ces derniers temps. Vous êtes devenu connu du grand public pour la fameuse affaire des costumes de François Fillon. Des costumes qui vous ont coûté assez cher à lui et à vous. À vous, un peu plus de 10 000 euros. À lui, peut-être la présidence de la République, non? On a beaucoup dit que l'affaire de ces deux costumes que vous avez offerts à François Fillon lui a coûté l'élection. François Fillon est un ami. Était un ami. Je lui ai fait ce cadeau. C'est en fait un pari que je m'étais fait. Je me rappelle, il m'avait appelé, il me dit « Est-ce que tu es libre pour prendre un petit déjeuner au Ritz ?» Il aime bien ces petits endroits assez chics. Je suis allé, j'ai pris mon petit déjeuner avec lui. Bien entendu, c'est moi qui ai réglé. Et je n'ai jamais vu régler une note. Et il m'a dit « Tu sais, je vais gagner la primaire. Je vais battre Alain. » Et je serai président de la République. Je l'ai écouté et je lui ai dit, t'en es sûr? Il m'a dit oui. Et à part moi-même, comme l'on dit, j'ai dit, tiens, je sais qu'il aime les vêtements d'Arnis, en voilà un. Je vais lui offrir deux costumes. Mais il ne le savait pas. Étant persuadé, monsieur Poincaré, qu'il n'allait pas battre Alain Juppé. Et voilà François Fillon, vainqueur de l'élection, de la primaire. Je suis allé chez Arnis, j'ai commandé deux costumes, j'ai payé ces deux costumes, et j'ai dit au maître tailleur, vous vous manifestez auprès de M. Fillon, et tout, et tout, et tout. Et il l'a payé cher. Il l'a payé cher. Mais... Il l'a payé cher, pourquoi? Parce que vous l'avez révélé. Monsieur Poincaré, il est élu. Il m'envoie un texto. Merci pour tout. Nous sommes en octobre. Merci pour tout. Je t'embrasse. Et un petit smiley. Je n'ai jamais couru après une audience. Mais c'est un copain. Quelques jours passent. Je lui envoie un texto. Cher François, j'aimerais bien passer 5 minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille. Il aime bien le Saint-Julien. Des bonnes années. Aucune réponse. Je dis bien aucune réponse. 4 mois se sont écoulés. Et un jour, je le rappelle, je lui dis « François, je ne comprends pas ton silence ». Je ne cours après rien à mon âge. Il m'a dit, j'ai la tête sous l'eau, je n'ai pas le temps de te voir. J'ai rien dit. Et vous savez, ça travaille. Je suis un être fait de chair et de sang. Ça travaille, je dis, comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça? Et j'ai appuyé sur la gâchette. C'est pas plus difficile que ça. Appuyer sur la gâchette, ça veut dire révéler que vous voilà. avez offert ces costumes. Pourquoi le cacher? Ouais. Alors, il ne reste plus qu'une question qu'on se pose, Robert Bourgi, parce qu'on l'a bien compris, cette affaire des costumes. Vous êtes déçu? Non, il y a une deuxième raison. C'est qu'il a été ignoble avec Sarkozy. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a encouragé à appuyer sur la gâchette, à flinguer Monsieur Poincaré, j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, tu sais, Nicolas... je ne suis pas bien actuellement. Il me dit, mon Dieu, pourquoi? Et je lui raconte ce que je viens de vous dire. Je lui dis, je vais me le payer. Il me dit, ben écoute, de toute façon, même si je te disais le contraire, je connais ta détermination, tu vas le faire. Je lui dis, je vais le faire, Nicolas. Je ne veux pas que cet homme rentre à l'Élysée. Il n'en est pas digne. Un, il a été ignoble avec toi. Qui touche à Sarkozy me touche. Deux, d'avoir en janvier dit, si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas,
Il a oublié ce qu'il avait dit en janvier. Ça, je ne l'accepte pas. Je me rappelle qu'à la fin du déjeuner, il m'a conduit jusqu'à la porte. Il m'a embrassé comme il le fait à chaque fois. « Tu vas le faire, Robert ?» Je lui dis « C'est comme si c'était fait. » Il me dit « Alors, il ne sera pas président. Là, tu vas le tuer. » Et voilà. Et voilà ce qui est arrivé. Et voilà comment vous venez de nous dire que vous avez appuyé sur la gâchette. Merci beaucoup, Robert Bourgi, pour ces informations sur les costumes de François Fillon et surtout sur Ali Bongo, le président gabonais à qui nous consacrions cette émission.